Je vais dire peu à peu ce qu'on a fait, mais je vais essayer de vous expliquer le contexte qui a permis cette idée de germer dans ma tête et puis après de la transmettre à une équipe d'ingénieurs, alors que je ne suis pas du monde de l'ingénierie. Je suis même plutôt de l'anti-monde, puisque je viens du monde littéraire. Mais il y avait un contexte. Fin 2011, c'est Fukushima, vous vous souvenez tous de ce moment assez émotionnant. Le prix du kilowattheure qui explose partout dans le monde. On prend conscience que les populations ont de nouveaux besoins électriques très importants et que les gens se concentrent dans les centres urbains. 75% de la population mondiale est attendue en milieu urbain d'ici 2040-2050. 2,7 milliards de nouveaux citadins qui vont consommer de plus en plus parce qu'on a de plus en plus d'appareils à connecter, à alimenter. Et en même temps, il y a une volonté de la population, on le sent tous, de changer de modèle, de quitter l'ancien monde énergétique. Bien sûr, la fin du tout fossile, c'est consommé et culturellement, c'est acquis. Mais les pouvoirs publics sont encore un peu réticents. Et il était bon d'imaginer des solutions pour apporter l'électricité propre, bien sûr. C'est même plus un combat, c'est une évidence. Mais l'amener au plus grand nombre. Et donc... À ce moment de Fukushima, moi je suis écrivain, je travaille pour la télévision, j'écris des scénarios et je gagne très bien ma vie, tout va très bien. Mais en même temps, les séries télévisées auxquelles je collaborais sur une grande chaîne nationale, tous les soirs, c'est diffusé, c'est aussitôt oublié. Et soir après soir, il ne reste rien. Et à 50 ans, je me suis motivé tout seul, comme chacun peut le faire, pour dire enfin si je faisais quelque chose de vraiment utile pour la société. Je ne dis pas qu'écrire des histoires, c'est pas inutile du tout. Je suis très fier. Mais je pense qu'apporter chaleur et lumière au plus grand nombre, c'est encore mieux. Alors, dans ma manière personnelle d'aborder cette question, je me suis dit... Et bien sûr, je ne vais pas trouver, n'étant pas ingénieur, je ne vais pas remplacer le nucléaire par une idée venue ex abrupto de je ne sais pas où. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Et donc, j'ai pensé bien sûr à proximité, à une solution modeste. Et j'ai pensé à tout ce nuage de mots, c'est pour ça qu'ils sont là. Je voulais que cette solution soit à taille humaine. Je pensais à une solution à peu près proportionnée à l'échelle d'une famille. Pour des besoins électriques d'une famille, il fallait bien sûr qu'elle soit le plus possible discrète, qu'elle respecte l'environnement, qu'elle ait un impact carbone faible, et si possible qu'elle soit belle, mais pas belle pour se faire plaisir, belle pour être capable de lever une émotion et de faire adhérer le plus grand nombre à cette idée. Et donc, je me suis intéressé aux énergies harvesting d'abord. Harvest, c'est un très beau mot anglais, c'est la récolte. Énergie harvesting, c'est la moisson des énergies perdues. Et je trouve que c'est une très belle idée. Et en milieu urbain, là où les gens se concentrent, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Et bon, il y a un lieu commun que vous avez déjà dû entendre, qui est de dire qu'il n'y a pas de vent en ville. Et c'est faux, il y a beaucoup de vent, mais il est très compliqué à capter, ce sont des turbulences qui sont créés par la rugosité, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments, des forêts, donc le vent laminaire qui souffle à 80 mètres, qui est très fort, sous la canopée urbaine, se met à prendre des directions très instables et il est difficile à capter. Et toutes les expériences qui ont été tentées de machines classiques ont échoué parce que leur nature physique les rend incapables d'extraire l'énergie de ce vent tordu. Et il fallait donc être out of the box, comme moi, pour imaginer une solution qui ne soit pas issue de la technologie existante. Il fallait donc vraiment penser en dehors des dogmes éoliens. Et voilà, un petit dévoilement. Donc ce qu'on a inventé, en fait, c'est une éolienne, mais on ne voudrait surtout pas lui donner ce qualificatif, parce que je n'aime pas. parce que c'est plus une éolienne, c'est l'arbre qui est là-bas. Donc vous voyez, c'est un arbre avec un tronc, des branches, et au bout de chaque branche, des petites feuilles. Et dans chaque feuille, il y a un générateur. C'est une petite éolienne, en fait, dans chaque feuille. Et toute l'idée était de faire confiance aux petits gisements et de multiplier les micro-turbines pour additionner les courants et avoir, in fine, la puissance significative. Donc c'est une technologie de rupture, en effet, parce que tout le principe éolien, c'est la grosse turbine unique, très haut, parce qu'il y a plus de vent en haut. Alors ça pousse au gigantisme. Plus on est haut, donc plus on doit s'éloigner des usages, des centres urbains, parce qu'il faut des grandes pales, alors on ne peut pas les mettre près des usages, alors on les éloigne avec cette aberration des pertes en ligne. Vous savez qu'en France, on a 56 réacteurs nucléaires, il y en a 18 qui servent à compenser les pertes en ligne. On voit bien qu'il y a un principe qui n'est pas très cohérent. Donc, ce qui était grand, on l'a fait petit. Ce qui était moche, on a essayé de le faire beau. Ce qui était loin, on l'a rapproché. Et ce qui était monoturbine, on l'a multiplié. Et on a donc défini une technologie qui s'apparente à l'aérogénateur que vous voyez là, dans chaque feuille. Ça ressemble à une dynamo comme dans votre vélo, un système aussi rustique que ça, très simple, des aimants qui tournent autour d'un bobinage de cuivre. Sauf qu'on a remplacé le bobinage de cuivre par le circuit imprimé que vous voyez là, qui est pris en sandwich dans les aimants, entre les aimants. Et c'est ça qui a été développé pendant 4 ans avec notre équipe d'ingénieurs et qui est très sophistiqué. Donc c'est le mélange de la simplicité, voire la rusticité d'un modèle très ancien, très costaud, fait pour durer 30 ans, et d'un génie électrique hyper sophistiqué. Imaginez que donc dans chaque feuille, il y a un microprocesseur, comme dans vos téléphones, qui donne à chaque feuille une autonomie pour capter l'énergie du vent que la feuille voit elle, et pas sa voisine qui voit une autre énergie, puisque les turbulences, ce sont des choses extrêmement complexes à simuler avec les ordinateurs, et qui est constamment changeant. Donc la feuille du haut ou la feuille du bas, la feuille près du centre ou loin du tronc, ne voit pas le même vent. Et donc, il s'agissait de la rendre autonome pour extraire le plus de puissance de l'énergie. Donc, on a développé des algorithmes qui sont dans la carte électronique, qui pilotent donc le microcontrôleur. Toutes les 10 millisecondes, il y a un calcul qui est fait et qui envoie une consigne à la feuille pour qu'elle se mette au point optimum de la courbe d'extraction de puissance. Là, il y a des brevets là-dessus. Je disais tout à l'heure que l'ambition, c'était de créer, non pas une machine, mais un objet qui soit possiblement émotionnant, en tout cas qui crée quelque chose du sensible. L'idée étant de participer à l'émergence des villes durables de demain, et sinon qu'il ne s'agissait pas d'être moche, bien sûr, mais il fallait quelque chose de plus. C'est difficile à qualifier l'esthétisme. Et donc j'ai beaucoup réfléchi avec Claudio Colucci, et un grand designer qui a eu un grand parcours à Tokyo, à Shanghai, et qui est revenu en Suisse. Et vous voyez quelques exemples de formes qu'on a cherchées pour montrer que c'est pas venu comme ça, quoi. On a, c'est comme Saint-Exupéry, ça dessine-moi un arbre. Et ben, tout le monde fait pareil. Et moi, les premiers, je les ai dessinés tout seul. On fait un tronc, puis après on fait des branches. Et selon l'humeur, on fait des branches comme ça, on est triste, ou on fait des branches comme ça, on est gai. Mais à part cette variante, il ne se passe rien. Et avec Claudio, on a imaginé un moment, en imitant la nature, qui est l'autre point qui m'a inspiré, c'était cette approche biomimétique. Alors même nous, on n'est pas vraiment biomimétique, on est plutôt biomorphique, on ne fait pas de photosynthèse avec nos arbres. Mais néanmoins, c'est la nature qui nous a indiqué comment se libérer du tronc central, donc en observant un olivier en CP. Les oliviers sont très souvent en forme ternaire et n'ont pas de tronc central, ce qui permet au vent de rentrer dans l'arbre et de faire profiter toutes les feuilles de l'énergie. Et donc ça, c'est un des protos qui est installé à la Cité des Télécoms, à Pleumeur-Beaudoux, et je vais vous les laisser regarder en silence. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de vent, les feuilles des vrais arbres ne bougent pas. Et pourtant, nous, on fait de l'énergie. Les petites feuilles tournent sur elles-mêmes, produisent de l'électricité qui est conduite dans les branches et troncs par des câbles. Réunis en bas, on fait la somme de tout ça et on rentre ça dans la maison. L'arbre alimente le radome, une partie du radome, cette énorme bulle qui est sous pression. Pardon. Je vais vous montrer une autre vidéo. Là, on est carrément dans l'arbre. Vous voyez, le principe est tout à fait simple. Et toujours aucun bruit. Et c'est très doux. On entend un petit peu le bruit dans le micro. C'est moi qui ai fait la vidéo avec mon iPad. Mais c'est pas bon. Et c'est pour dire que là aussi, c'était un des points de rupture avec les machines traditionnelles qui font du bruit et qui sont un peu agressives pour la faune. Nous, c'est tout en douceur et ça fait absolument aucun bruit. C'est le principe des pales à axe vertical. Et comme elles sont petites, l'air brassé est très, très petit et n'arrive pas à générer de bruit qu'on puisse même entendre. Donc, je vous donne quelques équivalences. À quoi ça sert ? Vous pouvez lire. En gros, c'est dimensionné pour une famille, comme je disais tout à l'heure, de 4 personnes, pour à peu près 83% des besoins électriques de toute la famille. On peut éclairer une quinzaine de lampadaires. Et ça, ce sont les équivalences d'économie par rapport à une énergie fossile. Donc, c'est une solution qui, aujourd'hui, commence un peu spectaculaire, très grande. L'arbre est grand, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il fait presque 10 mètres de haut. Donc c'est assez spectaculaire. Tout le monde nous fait la gentillesse de dire qu'il est beau. Mais notre vraie ambition, au fond, c'est de... On commence par ça. Une gamme va suivre. On va faire des formes plus petites, buissonnantes. On va incorporer des cellules photovoltaïques sur l'écorce, sur les pétales. On va compléter avec un système racinaire pour que du béton qui tient l'arbre, on puisse avoir un apport géothermique et avoir 3 sources de production d'électricité qui vont rendre l'ensemble efficace et surtout plus intermittent du tout. On aura donc la première machine à énergie renouvelable intermittente qui n'est plus intermittente. Donc conceptuellement, je pense que c'est très bon. Ce sont des développements qu'on fait avec des partenaires importants comme Lafarge qui nous aide à faire ce béton avec une fonctionnalité nouvelle. Et on commence donc par le spectaculaire. On va faire des gammes, mais l'idée c'est de rapetisser les tailles, d'apprendre encore et encore pour améliorer les performances. Et un jour, on aura réussi notre pari quand on aura fait complètement disparaître le principe et quand on sera rentré dans les gaines d'aération, dans tous les systèmes où il y a des écoulements naturels, dans tous les fluides, et qu'ils soient liquides ou aériens. Parce que vous savez qu'en mécanique des fluides, R et O, c'est pareil. Et donc, tous nos petits systèmes, en les rapetissant, en les miniaturisant, un jour, on ne les verra plus. Et là, on aura gagné. Quand je disais tout à l'heure que notre ambition, c'était pas de créer une machine pour tirer de l'argent. Le bénéfice, on le tourne vraiment pour qu'il y ait bénéfice commun pour la société, pour qu'elle respire mieux. Donc, on veut vraiment participer à l'émergence de ces villes sensibles, où l'on sait que tout le monde aspire à mieux respirer, à mieux circuler. C'est très important et tout le monde le ressent, et les architectes, les premiers, ont compris. Donc là, vous voyez, ils nous incorporent dans leur projet. Ça, c'est la capitale du Kazakhstan, c'est Astana, qui est entièrement refondée pour être en économie verte, en positive. Et vous voyez, les architectes ont pris nos petits arbres qui sont là. Il y a d'autres projets. Ça, c'est un centre scientifique en Allemagne. Ils nous demandent les arbres. Ça, c'est un héliport du futur où on récupère l'énergie cinétique des rotors des hélicoptères en chauffe et à l'atterrissage. Donc tout le monde comprend. Le principe est si simple qu'il est facile à s'approprier. Là, il y a aussi des petits arbres d'un projet Réinventer Paris, Éco-Machine. On ne les voit pas très bien, mais ils sont en bas. Et toute la façade est couverte, mais là, ils n'ont pas eu le temps de leur présenter, des petites feuilles. Parce que la technologie en fait, qu'on a inventée, c'est l'aérolif, la turbine que je vous ai montrée tout à l'heure. et qui, elle, est très, très spécifique à capter ces énergies, ces écoulements turbulents. Et il y a des architectes, je n'ai pas toutes les images là, qui les ont traités en façade, comme une double peau qui crée une ventilation et un jeu d'ombrage animé. Et ils adorent ça. Et on a plusieurs projets qui partent de nos ordinateurs parce qu'ils s'approprient et ils sont plus inventifs que nous. À partir de cette brique techno, ils prolongent leur geste architectural. Donc c'est une création en mouvement qui se propage et c'est absolument génial de voir ça. Vous voyez, il y a un autre architecte, ça c'est aussi un projet Réinventer Paris. Il a pensé à mettre les petites feuilles sous un tablier où il y a des effets Venturi qui sont très favorables à la rotation et donc à apporter un complément énergétique. Donc, pour nous, moi qui viens de la littérature, je retrouve à travers un détour scientifique de toute mon équipe, je retrouve des interlocuteurs urbanistes, philosophes, sociologues, ceux qui pensent la ville de demain. Et en fait, je me sens très, très à l'aise. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de créativité dans le monde des opérateurs de la ville de demain. Et je suis très, très à l'aise sans être... sanctionné par une grande école scientifique. J'ai fait des bonnes études, mais pas scientifiques. Voilà, nous serons présents. Alors ça, c'est passage obligé. Pour ceux qui ont peut-être un peu suivi ce qu'on fait, ça fait donc 4 ans qu'on existe et on n'a pas eu d'action commerciale encore, puisqu'on ne vend rien, sauf une pré-série qui a commencé à être diffusée depuis quelques semaines. Les premiers arbres sont plantés en Allemagne, en Suisse, en France, et il y en aura 2 au Bourget, vous savez, à la COP 21. Donc c'est Engie qui les a achetés, on va les exposer à l'entrée où les 195 nations vont passer tous les jours, et ce qui est pour nous très important, et ça a été compris comme ça, c'est qu'on est un signal que c'est possible de faire quelque chose. Même à l'échelle citoyenne, si on y s'y met tous, on peut changer de modèle économique, on peut tout fonder sur l'autoproduction et se désaliéner des grands systèmes énergéticiens qui pèsent sur l'économie, qui pèsent sur ou des continents entiers. Vous savez qu'il y a, je crois, 2,7 milliards de gens qui n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de capacité de créer des réseaux. Donc des solutions comme ça, et beaucoup d'autres. On parle de la nôtre aujourd'hui, mais il y a plein d'innovations dans ce principe d'autoconsommation, autoproduction, qui pourrait équiper, on pense bien sûr à l'Afrique, mais pas seulement, l'Inde, des régions reculées du Brésil, et plein d'autres pays, de grands pays. Au Kenya, j'ai un chiffre en tête, 220 millions de gens n'ont pas d'électricité du tout. Alors, sachez que avec quelques feuilles, parce que nous, dans notre gamme, on a des buissons et on a des grappes. Quelques feuilles sur une grappe permet de sauver des vies. Et le même électron qu'on va montrer à la COP, le même électron peut sauver un enfant en Afrique parce que on peut alimenter un frigo et dans le frigo, on met un médicament pour les maladies infantiles. C'est parfois crucial. Et tout ce qui a été essayé dans ce type de développement a échoué ou a été abîmé ou est resté sans possibilité d'être réparé, alors que notre système est très rustique, comme je le disais, et on n'imagine pas qu'il s'abîme. Et donc c'est une solution, je trouve, assez pertinente pour apporter des petits besoins. Très vite, ça se déploie très facilement et on peut satisfaire des besoins fondamentaux. Nos premiers arbres, une petite carte d'Europe, on a limité à l'Europe proche parce que c'est plus facile. Donc, je les cite, ICAD, c'est une grande foncière de l'État qui adore le truc et qui veut en mettre partout. Une banque en Suisse, des communes, et enfin, à l'Engie, j'ai parlé de 2 arbres du Bourget qui seront après replantés à Roland-Garros pour l'un et au siège de Engie à la Défense. Donc ce programme de pré-série, il a été choisi pour achever de démontrer le concept et montrer les performances en réel et indiquer par le choix des gens qui sont là que ce sont nos prospects de demain, ce sont donc ceux qui aménagent, qui construisent les villes de demain et les collectivités qui les commandent. Et bien sûr, in fine, il y aura les particuliers. Quand on aura amélioré notre prix et nos performances, au bout du compte, on arrivera à faire un prix intéressant pour le particulier. Donc, si vous voulez nous suivre, voilà les éléments. Voilà, et je suis disposé à vous répondre à toute question. J'ai dû oublier la moitié des choses à dire. Alors, j'ai une confidence à faire, je la fais rarement parce que je ne suis pas assez confiant, mais là, vous me donnez confiance. En vérité, j'étais en train d'écrire un livre. Et le personnage, le héros, dans son parcours, c'était un médecin, et à la page 40, dans mon plan, il devait inventer quelque chose. Et il fallait que cette invention soit spectaculaire. Bon, j'arrive à ma page 40, et puis je suis bloqué, je ne trouve pas, et je cherche, et je me conditionne pour trouver une idée. Alors, c'était autour de l'énergie, je suivais beaucoup les choses de l'énergie, mais je n'étais pas spécialiste. Arrive Fukushima, donc ça me confirme dans la nécessité de trouver un truc. Mais je suis toujours bloqué avec mon roman. L'éditeur attend. Et c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Un jour d'été, très très chaud, donc c'est 2011. Journal du Luxembourg, pas de vent du tout. Je suis paralysé avec mon idée et je vois les petites feuilles des arbres frémir. Et pas d'air. Je me suis dit, mais tiens, mais si on était capable de recueillir le facilement des petites feuilles, multiplié par le nombre que compte un arbre, peut-être que la somme de ça ferait beaucoup de watts. Et voilà, je rentre à la maison, je me documente un peu, je trouve l'idée maligne, je fais 10 lignes. Je les mets dans le bouquin, ça me libère la suite. 9 mois plus tard, je remets à l'éditeur le livre, et je suis très content, c'est mes papiers, bravo. Et puis en me raccompagnant à la porte, il me dit, mais au fait, est-ce que je peux en acheter un, l'arbre avant là? J'ai dit, quoi? J'avais presque oublié cet objet qui occupait 10 lignes. Il me dit, bah, enfin, l'arbre, c'est formidable, mais ça devrait exister, vous êtes fous. Et en rentrant à la maison, je dis, mais au fond, s'il avait raison, cet idiot d'éditeur. Et voilà, et n'étant pas scientifique, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc alors, Bachelard dit ça aussi, c'est que les intuitions servent à être, sont nécessaires à la création, mais il faut les déchirer aussitôt après. Et donc, l'intuition que j'ai, c'est la dynamo de mon vélo. Je pense à mon vélo, il y a des trucs qui tournent. Alors qu'est-ce que c'est une dynamo? Je ne sais pas, je la prends, j'arrache de mon vélo, je la démonte. En fait, il faut la casser parce qu'on ne peut pas démonter. Donc, je prends un marteau, je vous assure, c'est complètement... Et je casse le truc et je vois, c'est aussi bête que ça, c'est des aimants qui tournent dans un bobinage de cuivre. Voilà. Et c'est ça que j'ai pu faire pour le roman. On n'a pas inventé tout, hein. On a mis 4 ans pour développer tout ça. Mais l'intuition, de départ, elle est aujourd'hui à l'œuvre. C'est la même idée qu'on a déchirée 50 fois, mais elle résiste toujours.